déficit de points. Depuis pas mal de semaines, on a pas tellement joué et puis on n'a pas été suffisamment performant dans les derniers matchs. Donc on n'a pas pris assez de points pour se mettre en tranquillité. Bon, c'est vrai que c'est un match un peu particulier. C'est un pari pour les joueurs de réaction. On joue encore dans 3 jours, on joue encore dans 8 jours en coupe. Donc il faut être le meilleur possible dans ces deux prochains matchs. Merci monsieur. Par rapport à notre projet de jeu, c'est-à-dire de jouer au sol, d'animer, de mettre un certain pressing sur le porteur du ballon, bon, et de s'appliquer un peu sur les balles arrêtées, ce qui fait qu'on a réussi à marquer un but sur balles arrêtées d'entrée, et puis après bon, on a pas trop mal contrôlé les choses, mais bon, ça ne fait qu'on est qu'à la mi-temps, il y a encore la moitié du chemin à faire pour aller au bout de nos intentions dans ce match. J'aime pas abîmer les arbitres. Les arbitres sont des gens seuls, un peu comme les entraîneurs. Donc en général, j'en dis pas de mal. Donc je lui reproche simplement l'expulsion de Bouchama. Bon, qu'il ait pas voulu sanctionner Naïli en fin de première mi-temps, bon, à la limite, pourquoi pas. Bon, ça, il essayait de garder l'équilibre du nombre et de ne pas prendre de grandes décisions là-dessus. Bon, pourquoi pas. Mais qu'il aurait très bien pu se retenir et continuer à donner une faute pour Bouchama en fin de match et non pas l'expulser. Ce qui lui vaudra certainement 2 matchs de suspension plutôt que le match automatique qu'il aurait eu avec son 3e carton. Donc, bon, ceci étant, on ne va pas dire que c'est l'arbitre qui fausse le match, etc. etc. On peut bien sûr mettre des pressions plus larges, mais ça fait partie du sort et ça fait partie de la chance. Un arbitre, la réussite d'une saison, ça fait partie des décisions d'arbitrage en font partie. Pour l'instant, elles ne sont pas très très favorables. Une question, monsieur Alain Michel. Vous avez dit en vous hier qu'il y a des problèmes. Est-ce qu'il va parler? Nos problèmes, c'est des problèmes d'organisation, c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire le problème du stade, le problème de notre public. Même à la mi-temps, on en parlait quand même Bon,
équipe sur notre prochain match. Il y a quand même un très beau centre de Wadi. Ou une hésitation ou hors-jeu. Je laisse le soin à la télévision, aux gens qui étaient mieux placés que moi pour en juger. Mais c'est pas pour cela qu'il fallait s'abattre. Alors on a quand même marqué le pas. Puis petit à petit on est revenu quand même dans le match, on a fait quelques belles actions. Mais dommage, c'est de toujours un petit peu trop porter la balle, un petit peu la dernière passe qui n'arrivait pas. Bon, à la mi-temps, on a quand même essayé de remettre les choses au point et cela a été beaucoup mieux. Même si le jeu est parfois été haché, mais quand même, on a essayé de faire et puis on marque le but et malheureusement, on recule et là, on amène de nouveau l'adversaire dans notre camp. Et quand on amène l'adversaire dans notre camp, là, il faut être très fort au niveau du jeu pour pouvoir repartir dans les espaces libres. Mais on n'a pas su le faire. Je pense qu'à plutôt peut-être jouer sur le synthétique, on porte plus facilement la balle. Il faut aussi parfois s'habituer à jouer sur elle. Monsieur Belhout, c'est votre deuxième match à la tête de la GSK. Quelle est la perception que vous pouvez faire sur l'équipe? Non, c'est le quatrième ou cinquième match du championnat. On a joué contre l'USMA, on a joué contre Cédine, contre l'Allemagne et aujourd'hui, ça fait quatre matchs. On a fait nul aujourd'hui, on a couru pour avoir le nul. Contre cet if, normalement, on devait avoir la victoire. Malheureusement, on a encaissé un but à la fin, mais ça fait partie du football. Bon, on a quand même pris 3 points, 3 points, 3 points contre l'Allemagne, 3 points contre l'USMA. Bon, c'est quand même un résultat quand même somme toute positif avec un montant définitif évidemment. Et comment vous appréhendez la suite du championnat et du parcours en jeu? Monsieur, vous me posez des questions un peu plus tard, parce que c'est un petit peu tôt pour parler de tout ça. On prend match par match pour le moment et on va voir comment on peut gérer le programme. La semaine prochaine, il y a la Coupe d'Algérie.